thématique principale, le nouvel album de James Whiplash avec une méchante pitoune sur la pochette. Vous allez voir un peu ici. Allô, toi. Alors ça, c'est leur 8e album à James, 7e album studio. Un groupe qui existe depuis 15 ans, qui est encore ici en Amérique du Nord, connu du milieu alternatif. Et si vous connaissez pas du tout James, mettons que ça peut peut-être ressembler à du U2 à l'occasion, mais c'est pas du tout un groupe qui a copié, parce qu'ils se sont formés à peu près à la même époque. Donc, ils reviennent ici en très grande forme avec un nouvel album, après les aventures de Tim Booth, qui est le chanteur avec Angelo Badalamenti. Ça s'appelait Booth and the Bad Angel, un album que je vous conseille encore aujourd'hui. Il y a eu aussi leur très expérimental album techno qui s'appelait Wawa, et un disque très tranquille, Late. C'est leur vraiment le dernier album, vrai disque studio. Wawa, c'était plus une expérimentation. Late avait été réalisé par Brian Eno. Très, très tranquille. Ici, ça brasse un peu plus. Moi, je vous avoue que je les aime plus dans ce genre-là qui brasse. C'est un album un peu étrange. Le premier tiers du disque, c'est un peu dans leur vieux style, comme le single qui s'appelle She's a Star. Et après ça, à partir de la 5e chanson, Greenpeace, ça change carrément. Ça devient un peu plus contemporain, des influences plus modernes, un peu de techno. Celle-là, c'est un peu dans le style drum and bass, donc techno. Et ils ont travaillé avec le réalisateur Stephen Hagg, qui fait une bonne job. C'est une réalisation qui est propre. C'est rien d'extraordinaire quand même. Et Stephen Hagg a déjà travaillé avec les Pet Shop Boys, avec New Order, avec Suzy and the Banshees. Donc, c'est un peu un genre de légende dans le milieu de la réalisation. Bref, moi, j'ai beaucoup aimé ce disque-là. Comme cote, je lui donne un 8 sur 10. C'est mon album préféré quasiment. Je vous conseille vraiment de découvrir, si vous ne les connaissez pas encore, James, extrait de She's a Star.